En novembre 2022, Henry Cavill annonçait qu'il quittait la série The Witcher pour reprendre son rôle de Superman. Pour autant, la série n'a pas été annulée et un remplaçant a rapidement été trouvé. Il s'agit de Liam Hemsworth qui devrait reprendre le rôle de Geralt de Rive. Notamment connu pour avoir joué dans Hunger Games, le frère de Chris Hemsworth ne fait pourtant pas l'unanimité auprès des fans. En effet, il est déjà jugé moins charismatique que son prédécesseur. Si la deuxième partie de la troisième saison de The Witcher est sortie le jeudi 27 juillet sur Netflix, la quatrième saison a déjà été confirmée par la plateforme de streaming. En effet, elle devrait être basée sur Le Temps du Mépris, livre 4 d'Andrzej Sapkowski. Elle devrait ainsi suivre les aventures de la jeune Ciri, placée au cœur de nombreuses rivalités et protégée par Geralt et Yennefer. Une cinquième saison serait également prévue dans le futur. La grève des scénaristes retarde le tournage de The Witcher depuis plusieurs mois. Les scénaristes d'Hollywood, soutenus par de nombreux acteurs, font grève pour demander une meilleure rémunération. De quoi mettre à l'arrêt de nombreux films et séries. Parmi eux, The Witcher dont le tournage de la saison 4 devait initialement débuter au mois de septembre. Selon le site Redanian Intelligence, Netflix miserait finalement sur un tournage au début de l'année 2024. Avec le retardement du tournage, de nombreuses rumeurs sur une possible annulation de la série ont commencé à circuler. En effet, entre la légère baisse des audiences et la polémique autour de Liam Hemsworth, Netflix pourrait décider d'annuler sa série. Pour le moment, la plateforme de streaming ne cesse de pas prononcer et le tournage devrait bien débuter dès que les conditions le permettront. Dans tous les cas, la saison 4 de The Witcher ne devrait pas sortir avant de longs mois. Nah.